Petite info les amis, avant que la vidéo commence, donc je l'ai pas dit dans les vidéos qui arrivent, parce que j'avais pas l'info, donc merci à Tix, si tu vois ce petit truc. Mais du coup, ouais, il faut faire 6 missions, donc ce que vous gagnez, c'est des guns de pyro. Du coup là, moi je suis à 4 sur 6, mais dès que vous en avez 6, normalement vous gagnez des guns pour vaisseau de pyro. Donc voilà les amis, la petite partie est finie, bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Donc, avant toute chose, les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. C'est très très important que vous vous abonniez, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vous qui faites grandir cette chaîne YouTube. Donc, un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et je vous laisse, je vais appuyer sur le petit bouton. Ça dure vraiment que quelques secondes, donc je compte sur vous, les amis, pour vous abonner. Vous êtes encore 80% des personnes à regarder ces vidéos et ne pas être abonné. Donc, s'il vous plaît, les amis, abonnez-vous. Et pour les descriptions, dans la description, il y a deux Discord, donc le Discord communautaire, où tout le monde est appelé à le rejoindre, en tout cas, pour créer une petite communauté autour du multigaming. Pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description. Et autrement, le Discord de la corporation de la DG Team, donc un Discord où c'est pour essayer de rentrer dans la DG Team, donc une corporation qui a pour ambition d'aller très loin dans le verse. Donc, on a besoin de joueurs comme vous pour remplir cet objectif, en sachant que tout le monde est important, bien entendu, que vous soyez nouveau ou vétéran du jeu, que vous soyez seul ou en groupe, on vous accueillera les bras ouverts. Et par la même occasion, ceux qui sont pas trop sûrs de vouloir rejoindre le corpo, il y a quand même la possibilité de rejoindre le Discord et de parler avec plein de civils, voilà, pour vous donner des stratégies, des trucs dans le genre, pour la suite du verse. Donc, je compte sur vous pour nous rejoindre au sein de la DG Team et rejoindre le Discord de la corporation, de la communauté, pardon, et encore plus vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour la même occasion, tous ceux qui créent un nouveau compte, les amis, il y a mon code parrainage juste en dessous, ça vous fait gagner des AUEC, donc de l'argent in-game. Donc n'hésitez pas à le mettre, voilà, vous êtes gagnant, je suis gagnant, je compte sur vous aussi pour le mettre. Et puis voilà. Donc les amis, on se retrouve donc pour la vidéo sur Star Citizen, donc d'un event, parce qu'il y a un event à l'heure actuelle sur Star Citizen, c'est Save Stanton. Donc, pour aider Stanton à la défense de certaines choses. Donc il y a plusieurs, missions. Donc la mission, celle-là, vous voyez, donc celle-là, il faut défendre un vaisseau, mais on en fera peut-être deux vidéos, on verra. Et il y a celle-ci où faut attaquer des vaisseaux. Donc on a pris celle-ci, on est déjà dessus. Donc écoutez, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve directement dès que j'arrive sur la mission. Donc là, j'arrive sur zone. Le truc, c'est qu'il y a des mecs à tuer ou... Oui. Ok. Mais du coup, est-ce que ces mêmes mecs-là, là, ils respawnent jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de cargo ou... Je sais pas. Là, j'ai un... Moi j'ai eu le temps de vider le je les ai tués, j'ai eu le temps de visiter le vaisseau hier, donc je sais pas. C'est qui? Christopher Rambo, bah, c'est un PNJ quoi. Ah, je te vois là. Ah, je suis sur un site là. Tu viens de t'afficher en rouge. C'est un glaive. Ouais, glaive ou sight, je sais pas ce que c'est. C'est qu'il y a même des flics en fait qui aident. C'est possible. C'est bizarre que j'ai ton regard à Alston. Ouais, ça c'est bizarre quoi. Parce qu'on est dans le même groupe donc forcément il y a du. Il y a un 2 qui va prendre décharger un Mercury.
Putain, il m'a ram, cet enculé là. Je peux avoir la mission? Apparemment, je l'ai plus. Ouais, bouge pas, j'ai trop partagé ça. Ah, mais c'était bien encore ces enflures. Target destroyed. Contrat de nouveau partagé. Ok, j'ai pas. Quitte le groupe et. Très envie dedans. Non, rouge, non. C'est un pirate, ça. Avec un vaisseau terrapin, genre là, je m'en. Un terravent, là. De quoi le code, tu parles? Ouais. Approuval code. 71-940. Il y a des œufs. Du tam dans le freelancer. Non mais Nel, on a toujours rien pour charger donc. Oui, tant pis, ça j'ai bien compris. Mais je dis juste qu'il y a moyen de se faire du fric ici, quoi. Ah mais il y a le Zeus là, attends, je vais prendre le Zeus, hein. C'est bon. Après là c'est juste des chargements et chargements arrière. Et Nel, tu veux pas aller taper les PNJ plutôt là? Vas-y, je vais les taper. Parce que là j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Ouais. J'ai l'impression ici. Y'a plus que deux caisses à vider de toute façon. Ouais. À mon avis, il y en a une que je vais pas pouvoir prendre. Les 14 boîtes. On va pouvoir bouger. Mais va prendre l'item et les œufs dans le freelancer. Il y en avait beaucoup. Bah, j'ai pas vu le nombre des CU, je crois qu'il y avait 22 d'item. Je sais pas. Comme vous voulez. Mais moi je peux refermer. Tu vas pouvoir. Vas-y, oui, tu peux. Attends, une caisse bougée. Ah putain, non, ferme pas. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai voulu bouger une caisse, ça a pris celle d'à côté. Ça a tout foutu en l'air. What? Je me fais aspirer dans son sillon. Oh bah la blé de machin. J'en ai l'entendu tourner comme ça là. Ouais c'est bon, tu peux fermer Scar, je pense. D'attacher les dernières. Voilà. Je vérifie. Il reste des ennemis ou. Bon. C'est good. Oui, hein, je crois. Arrête pas de me faire attaquer. Encore là? Ouais. Ah, ouais, il en reste un là. C'est un pionnier. Il en reste 2-3. Deux, pardon.
Alors, faut que ça soit toi qui les dépose, du coup. J'ai pas la clé. On va essayer de la repartager avant d'arriver. On sait jamais. Tu veux récupérer les œufs alors ou pas? Ouais, vas-y. C'est good. Il n'en reste plus qu'un. Je sais pas où c'était par contre. Hein. Ah non, c'était rien en plus. C'était le dans le coin. Ouais, c'était juste à côté. C'est le freelancer qu'on voyait qui s'appelait Christopher. Je sais pas quoi là. Je vois toi, Oscar. J'ai fait ça faire un drôle. Ah, ça va être lui. Il fait attaquer par des alliés. J'ai pas la toupie, genre. Ouais, c'est lui. Aussi. Oh, ça va être tiré avec des bombes létales. Même il se. Genre, j'ai l'impression qu'il prend pas de dégâts, tu sais, quand je tire aussi. Ah, mais le freelancer, ouais. Il est bugué de ouf, lui. Donc, les amis, je vous reprends après qu'on ait fini de charger la suite du vaisseau. Parce que là, pendant que les amis, pendant que les collègues, ils sont en train de charger la cargaison. Bonus, on va dire entre guillemets, je vous explique en gros à quoi consiste la première mission qu'on vient de faire. Elle consiste tout simplement à charger les marchandises dans un vaisseau et les emmener à l'endroit où elles doivent aller. D'accord ? Mais pendant que vous faites ça, il y a des vaisseaux qui vous attaquent, comme vous avez pu le voir en accéléré juste avant. Voilà, donc c'est ça principalement la mission. Donc on en a déjà fait pas mal sur Star Citizen, mais à savoir que celle-là, cette fois-ci, elle paye plutôt bien, vu que c'est 186 000, plus le bonus de la cargaison qu'on vient de récupérer, ça peut monter très haut. Donc voilà, les amis. Donc écoutez, on se retrouve, j'ai envie de vous dire, à la vente, mais c'est même pas ce que c'est même pas nous qui allons revendre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ce sujet-là, qui sortira dans les heures qui suivent cette vidéo, normalement, parce que là, en fait, on vient de vous montrer tout ce qu'il fallait, hein, juste là, on prend la cargaison bonus, on va la livrer à l'endroit où il faut livrer la cargaison. Donc à savoir que moi là, je pourrais pas le voir parce que j'ai un bug. Là, on voit très bien. J'ai un bug, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais en gros, tout est marqué pour là où il faut livrer. Et puis normalement, ça sera réglé. Vous serez payé 186 000. Donc c'est quand même un bon petit butin. C'est juste comme on dit dans le jargon. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la prochaine mission, la deuxième mission.